Renato Bertin, merci d'être avec nous Je vous en prie. aujourd'hui pour cet entretien qui se passe dans le cadre du partenariat Technès. Alors, vous êtes chef opérateur et vous avez travaillé depuis 1968 avec de nombreux cinéastes comme Alain Tanner, Daniel Schmitt, Alain Resnais, Manuel de Oliveira, Jean-Marie Straube et Daniel Villiers, Louis Malle, Amos Gitai, etc., etc. Alors, tout d'abord, nous aimerions aborder donc le contexte technique de votre début de carrière. Après un apprentissage de mécanicien, puis une formation au Centro Sperimentale de Rome, vous commencez à travailler dans le milieu de ce qu'on appelle le nouveau cinéma suisse, sur les films d'Alain Tanner ou Francis Resserre, par exemple. Et parallèlement, vous travaillez aussi un peu à la télévision. Et on aimerait savoir quelles étaient les conditions sur les tournages, à la fois de cinéma et de télévision à cette époque, et peut-être ce que vous y avez appris d'un point de vue technique. Quand vous dites conditions, je peux vous parler des conditions syndicales, mais ce n'est pas ça qui vous intéresse, je crois. Par exemple, vous avez pratiqué le reportage télévisé. Oui, Qu'est-ce que ça vous a mais appris, par attends, exemple, du point de vue il y a sous-entendu dans votre technique? question de tout à l'heure, je sentais Exactement. déjà un peu. Non, mais ce que je trouve intéressant, à l'époque, on tournait en 16 mm. Hein, et le 16 mm, c'était un support tel qui nous permettait de tourner en son direct, parce qu'il y avait, c'était pratiquement un peu après le début, des premières caméras qui ne faisaient pas de bruit, qui permettaient l'enregistrement du son en direct. Hein. Donc, grosso modo, il y avait deux caméras qui étaient concurrentielles, c'était l'éclair en France et la réflexe en Allemagne. Nous, on était beaucoup plus branchés vers la France pour toutes des raisons, disons, culturelles, et que ils se réfléchissaient bien évidemment aussi dans nos choix techniques. Mais ils étaient aussi, enfin, on regardait vers la France parce que c'est vrai que Eclair avait étudié une caméra insonorisée, comme on disait, c'était la Coutant, c'était M. Coutant, qui avait pratiquement dessiné une caméra qui était quand même silencieuse, mais qui faisait toujours un peu de bruit, faisait toujours un peu de bruit quand même. Bref, en 68, moi je ne sais jamais les dates, oui, en 68, donc je me retrouve sur le premier long métrage. J'avais déjà un peu tourné ici sur quatre d'entre elles. Le film de Hyacinthe, Resserre, Sandoz et Champion, et on tournait avec des éclairs. Et le 16 mm à l'époque, il était plutôt maltraité. C'était un format un tout petit peu entre l'amateur et le professionnel qui était en 35 mm. Sauf que nous, à l'époque, tourner en 35 mm, il n'y avait pas ni les moyens, il n'y avait pas des caméras insonorisées 35. Sinon, la grosse Mitchell BNC, qui était vraiment une grosse caméra très lourde, ce qui n'était pas conforme au type de cinéma qu'on voulait faire ici. Donc, du coup, on était vraiment obligé de tourner en 16 mm. Et n'oublions pas que la télévision, elle tournait aussi en 16 mm. C'est-à-dire que toutes n'importe quel type d'interview, hop, tournait en 16 mm. C'est-à-dire que les images magnétiques, enfin numériques, enfin, je sais pas, vidéo, disons, pour s'entendre, il n'existe pas encore. Sinon, le système d'enregistrement, c'était les maths à 2 pouces. C'était vraiment une complication considérable. C'était de grosses machines, quoi, impossible de les trimballer pour faire des reportages. Ce qui était plus petit, c'était vraiment le 16 mm. Donc, on se retrouvait tourné en 16 mm, mais le matériel, après quatre d'entre elles et après le film de Resserre, c'était avant ou après, je ne sais plus très bien. Mais en tout cas, à l'époque, quatre d'entre elles, ça devait être juste avant Charles Maurice, non?
Le fil, oui, c'était Vive la mort. C'était juste, oui, c'est grâce à Francis Resserre que j'ai rencontré Alain Tanner. D'ailleurs, qu'il était venu nous voir sur le tournage et qu'il m'a proposé Charles Moreau Vive. Mais si tu veux, la technique, c'était vraiment la même, le 16 mm. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le 16 mm, il était un peu maltraité, les objectifs avec des zooms, il n'y avait pas des focales fixes. Et nous, on voulait tourner un 16 mm et gonfler en 35, agrandir en 35, en faisant un internégatif. Est-ce que, si je parle d'un internégatif, oui, est-ce que c'est un internégatif, voilà. On partait directement du 16 mm inversible, c'est très important, et on gonflait directement, étant donné que c'était l'inversible, on avait un positif, qu'on gonflait directement en 35, on obtenait négatif, et on évitait, on tournait en inversible pour éviter un passage, un plus. Est-ce que c'est clair, ça? Oui. Très bien. Non, c'est pas toujours évident de comprendre ce genre de choses. Donc, le matériel, c'était pratiquement le même, et du coup, j'ai décidé à ce moment-là de m'acheter, moi, une caméra, juste pour avoir une qualité, et puis de la suivre, cette caméra. Voilà, de m'en servir sur des tournages qu'on me proposait de plus en plus. Et du coup, là, j'ai tourné un film derrière l'autre. Et ça, c'était une éclair 16 mm. C'était une éclair 16. Ouais. Que j'ai acheté. Non, mais attends, l'éclair, je l'ai acheté. Attends, mais non, c'était avant. On a tourné avec l'éclair à moi. Mais oui, bien sûr. Non, je l'ai acheté avant le film de Resserre. J'ai tourné le film de Resserre, je l'ai tourné avec ma caméra. Je sais parce que c'était en 68. Mm-hmm. Et en revenant, je me souviens très, très bien qu'en revenant de Paris où j'étais prendre la caméra, et c'était l'époque de les troupes soviétiques qui rentraient à Prague. On entendait à la radio et c'était quand? C'était août, fin août, depuis septembre par là, 68. Est-ce que je confonds? Non, je ne confonds pas. Non, mais moi je ne sais jamais les dates, parce que les dates pour moi c'est les films, c'est pas les années. Bref, et là j'avais l'éclair, plus une série d'objectifs fixes, focales fixes. Et qu'à l'époque, une série de focales fixes en 16 mm, j'avais très très peu de choix, quoi, je veux dire. Et le 16 mm, il était on faisait des choses, mais pas trop sérieuses, quoi, je veux dire. Aujourd'hui, il y a plus de choix. Enfin, aujourd'hui, un peu moins. Mais disons qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait des objectifs, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi, qu'on trouvait en location. Mais c'est vrai que le matériel de location, c'était souvent du matériel qui n'était pas bien entretenu, voilà. Et là, j'ai commencé à m'acheter du matériel. D'ailleurs, j'ai toujours acheté du matériel toute ma vie. Je peux vous dire, au fur et à mesure que j'avançais, le matériel que j'achetais. Mais je n'achetais pas pour faire du business. J'achetais ça simplement pour pas, excusez-moi le terme, pour pas s'emmerder sur les tournages, avoir des caméras qui font du bruit, qui sont pas stables, qui t'as pas le point, enfin bref. C'était juste pour éviter tout ça, quoi, je veux dire, pour trouver des moyens techniques tels qui nous permettaient de travailler convenablement. Mm-hmm. Et donc d'ailleurs, ce Ferrer, assez peu après ses premiers films avec Alain Tanner, vous achetez une Ariflex 35 mm, c'est juste? Non. Vous n'avez pas eu non. de 35 mm? Non, parce que ma politique, c'était déjà, le 35 mm, c'était déjà un peu plus professionnel, mm-hmm. avec la P minuscule, pas majuscule. C'est-à-dire que le 35 mm, ce n'était pas du matériel très courant. Mais en général, les professionnels se servaient quand même un peu mieux, et donc du coup, c'était du matériel qui était un peu mieux entretenu. Mais en Suisse, j'avais très peu. Et on a commencé à tourner en 35, le moment qu'Ariflex a sorti sa caméra, entre guillemets, légère, mm-hmm. et entre guillemets, qui ne faisait pas de bruit, et que c'était la Ribéelle, mm-hmm. 35 mm. Mais le premier film qu'on a tourné avec la Ribéelle 35, c'était Le Milieu du Monde. Le Milieu du Monde, voilà, en 74. Je ne savais pas. Merci. Et est-ce que... Non, j'ai oublié. Peut-être si on parle justement de ce film de Tanner, en comparaison peut-être avec Charles Moreau Vif, que vous aviez tourné en 16 mm. Est-ce que là, l'usage de la Ariflex 35, c'était un moyen d'atteindre
peut-être justement une qualité plus professionnelle avec un petit P. Mais, oui, il ne faut pas oublier que les films dans l'intérieur... bon, moi j'ai eu une chance terrible de commencer la rencontre avec Alain, elle était vraiment capitale pour moi. Et de pouvoir travailler sur des films qui ont un succès quand même, Charles Moreau-Yves, La Salamandre, ils ont eu vraiment un succès considérable. Et puis après, il y a eu Retour d'Afrique, qui est un bon film et qu'on en a parlé un peu moins, j'en ai très bien compris, parce que je trouve un film intéressant, mais bref, et qu'on a tourné en 16. Inversible, toujours. Et je vous assure que tourner en pellicule inversible, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la pellicule inversible, c'est vraiment une galère. Hein? Je dis, ce n'est pas évident par rapport aux moyens d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était très peu sensible et on avait une latitude de pose. Vous voyez ce que c'est la latitude de pose? Latitude de pose, c'est de combien de diaphragmes elle peut enregistrer la pellicule sur sa ligne de sensitométrique, enfin. C'est-à-dire que la qualité d'une pellicule, c'est le nombre de diaphragmes et l'écartement entre la sous-exposition et la surexposition. Cet écartement, si plus il est large, cet écartement, mieux, on peut dire, plus intéressant, c'est la pellicule, quoi. C'est pour ça que le numérique, on dit, l'écartement, il est gigantesque. Enfin, à l'époque, cet écartement, il était vraiment très, très faible. Très, très faible. Donc, du coup, il fallait éclairer beaucoup. Et dès qu'on partait un tout petit peu en sous-exposition, ça partait très vite. Donc, il fallait faire extrêmement attention. Et je me suis aperçu, justement, de la qualité de Charles Moreau-Vif parce que je viens de faire la restauration de Charles Moreau-Vif, là, qu'on a fait en numérique, en partant de l'original. Alors, pour moi, c'était quelque chose de très émouvant parce que c'est vraiment... Je me suis dit, tiens, à l'époque, on travaillait pas mal. Malgré le fait qu'il y avait très, très peu de moyens, mais c'était des moyens conformes au tournage qu'on faisait. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est très important. Il y avait une cohérence très importante à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire avec 100, on ne faisait pas un film qui coûtait 500. Avec 100, on faisait un film qui coûtait 100. Voilà. Et donc, petite équipe, très simple, et du coup, les films, ils étaient beaucoup plus solides que certains films qu'on veut faire autant n'importe le vent avec 2,50 balles. Je dis, ben oui, il ne fera pas ça, quoi. Enfin, bref. Il y a une certaine mobilité aussi, du coup, qui est rendue possible. C'était la... De toute façon, à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas le choix non plus. Hein. Aujourd'hui, tu as à peu près le choix. Mais à l'époque, si tu veux faire du son direct, hein, ce qui me paraissait quand même important, de pouvoir filmer des comédiens en son direct, c'était avec le 16, quoi. Je dis, voilà, point à la ligne, dans ces années-là. Et après, tout de suite, il y a eu d'autres. Ou la grosse Mitchell, hein, la grosse Mitchell du mépris, quoi. Bon, Jean-Luc, qui faisait les films, enfin, lui, il était un peu plus en avant que nous, donc il pouvait se permettre Mitchell, mais nous, c'était absolument exclu, quoi. Malgré le fait que j'avais, moi, la Mitchell, je la connaissais à l'école à Rome. Alors là aussi, je dis, nous, on a commencé à tourner à Rome, moi, les premiers tournages que j'ai faits, c'était en 35, pas en 16. Ouais. Et les gens, quand je dis, mais oui, moi, je tourne en 35 et tout, mais regardez, mais avec des grands yeux comme ça, je dis, mais... Vous faisiez des exercices en 35, je dis oui. Bravo. Enfin, bref. Ouais. Donc, et le noir et blanc aussi. À l'époque, le noir, on ne pouvait pas tourner en couleur parce qu'il n'y avait pas le financement. Et toute la chaîne, aussi la télévision, hein, c'était les mêmes outils, mais c'était pratiquement les mêmes pellicules et toute la chaîne inversible. Et la couleur ne se posait même pas le problème. C'était pas pour nous, quoi. Donc, c'était pas seulement un problème comptable et financier, c'était vraiment... ça n'existait pas. Puis il faut bien dire aussi que Charles Moreau-Vif et La Salamandre, même Alain, il passait en noir et blanc et pas en couleur, quoi. Je dis, dès le départ, c'était vraiment une frustration, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est clair? Très clair. on se demandait aussi, peut-être plus largement au courant de votre carrière, dans quelle mesure vous avez été
peut-être impliqué dans l'élaboration de nouvelles techniques? Est-ce que vous aviez des contacts avec les fabricants? Ah ben oui. Ben et, oui. Et donc, voilà, dans quelle mesure et... Oui, c'est-à-dire que là, c'était l'époque où comment dire... Là, excusez-moi, là, je suis obligé d'élargir un peu le discours, parce oui, que ce n'était pas encore le capitalisme financier. Aujourd'hui, le capitalisme financier consiste à fabriquer de la mauvaise qualité que tu vends le plus cher possible. À l'époque, il y avait encore un tout petit peu de qualité que tu essayais de vendre à des prix justes. Est-ce que je m'explique? Mm-hmm. Voilà. Et c'est vrai que les fabricants qui avaient, les peu de fabricants qui avaient, Éclair et plus Éclair qu'Ariflex à l'époque, ils étaient quand même assez attentifs à ce que les gens... Et ce que les gens qui employaient ces outils ils proposaient ou comme amélioration. Éclair, c'est une caméra que Jean Rouch, il a été très important pour Éclair, parce que c'était un des premiers, mais pas seulement lui, je dis, un film que je cite souvent dans ces cas-là, c'est le film de... comment il s'appelle Ah, l'Alzheimer. Merde, comment il s'appelle, lui. Tourné avant 68. De qui? Documentaire. Oh, attends, je l'ai sur la pointe de la langue. Dans ces cas-là, c'est toujours. Mais Ruspoli, peut-être. Non? Hein? Mario Ruspoli. Non, je tournais après avec. Mais si, il est mort il n'y a pas longtemps. Jolimet. Louis Malle. Non. Non, qu'est-ce que je dis? Jolimet, Marquet. Oh, excusez-moi. On y arrive quand même. Oui. Donc voilà, Marquet, il a tourné un des premiers films en son direct dans la rue. Et c'était pas encore l'éclair, c'était une KTM, je sais pas quoi. Justement, KMT, oui, c'était le prototype. Le prototype, voilà. Et c'était Pierre Lhomme qui était l'opérateur, que c'est un ami que c'est... Pour moi, c'est le plus grand opérateur français qui a, de ces dernières années. Et c'est une personne que j'estime beaucoup. Enfin, bref, et notamment, quand on voit ce film, j'ai toutes les bonnes raisons pour l'estimer, parce que c'est un film qui est absolument magnifique de tout point de vue, quoi. Et ça, c'est un film qui pouvait exister que grâce au son direct. Donc, si on veut, en France, ils étaient très à l'écoute, beaucoup plus, parce que c'était des gens qui employaient ces instruments et qui faisaient du cinéma très lié à ces instruments. L'Allemagne, un peu moins. L'Allemagne, Ariflex, ils ont eu souvent un peu trop la politique, à mon avis, du commerce... déjà financier, quoi. Ce qui compte, c'est faut faire un peu de qualité, mais c'est la vente, quoi. Avant, voilà. Et ça, malheureusement, donc, du coup, il y avait Larry Bell, qui était une caméra qui avait une renommée beaucoup plus solide et tout, mais je trouvais moins fiable sur certaines choses. Tourner à la main avec une caméra à l'épaule, avec un éclair, c'était beaucoup plus simple. Disons que elle était plus étudiée pour filmer à l'épaule, l'éclair, tandis que la Reflex était une caméra un peu sur pied. C'est-à-dire qu'elle avait toute une ergonomie, l'éclair qui était plus important que la BL, qui était relativement classique, comme font plat, la met sur un pied, et puis voilà, quoi.